Salut à tous et Tony, on se retrouve avec une petite vidéo sur Auto Chess. Donc voilà, là je vais vous montrer un peu la synergie archer. Donc voilà, je suis parti sur de l'archer. J'ai un peu de caverne, un peu d'exercice. Bon, ça c'est avec les archers que ça s'est débloqué. Et je vais essayer d'intégrer deux autres chamans. Donc j'en ai déjà un sur le banc. Il manquera la clairvoyante qui me débloquera une synergie plume. Ainsi que le quatrième chaman. Donc voilà, on est premier, on n'a pas fait une seule défaite au tour 25. Donc c'est pour vous montrer que les archers, ben, c'est vraiment puissant. Donc voilà, on va voir si on arrive à faire un top 1. Bien parti, mais on sait très bien qu'à Auto Chess, rien n'est joué. Donc on va voir. Voilà, donc je suis blindé de fric. Donc on va passer à 9. On va intégrer ce chaman. Et on va se chercher des persos. Voilà, donc je garde 50 à chaque fois. Voilà, je mets un coup. Et là, je cherche. Alors, on n'est pas pressé. On cherche des 3 étoiles. Ben voilà. Donc, chaman ou la clairvoyante. Faut garder les sous. On va changer la position. Allez, on va voir si on reste invaincu. Ça risque d'être compliqué arriver à un moment. Voilà, ben là, en l'occurrence, voilà, on va perdre. Il suffit que je lance la vidéo pour perdre le premier match. C'est pas grave, on a de la marge. Bien fait éclater là, donc il va falloir faire attention. Là c'est pareil, on va mettre juste un coup d'XP. Passer à 10. On va combiner. C'est pas distribué. Allez, c'est gagné. Alors on se renforce, ça c'est cool, on fait ça. On fait un switch. On attend. En fait, à la base des archers, ce qui est bien, c'est de partir sur archer exercice. Formation connue, mais là, j'ai voulu agrémenter un peu le truc, partir sur archer chaman. Parce que j'ai vu qu'il y avait la clairvoyante de débloquer. Je vais vérifier quand même, mais oui. Voilà, elle est là. Pour la clairvoyante. Débloquera deux synergies entières. Non, une synergie plume à 3. Et la synergie chaman entière. Alors, on va mettre un petit P. On va faire ça. On va le prendre maintenant. Voilà, un petit chaman de plus. On va prendre la Umbra. C'est jamais.
Voilà, on a des possibilités de monter des 3 étoiles supplémentaires ainsi que de débloquer la clairvoyante. Donc il faut quand même que je monte à 10. Ah, donc c'est lui qui m'a plié tout à l'heure. Fait encore plier, c'est pas grave. Voilà, donc là on va économiser, comme ça on aura encore plus de fric, manière de monter plus rapidement et de pouvoir faire des switch. On va ranger nos persos d'ailleurs. Voilà, donc si j'attrape la clairvoyante, il va falloir que je parte d'un des persos. Ah. Alors, ben, vu qu'on veut du 3 étoiles, on va se séparer d'un des ça. On va prendre lui. On va mettre un coup d'épée. On va faire ça. Allez, il y a possibilité d'avoir 2-3 étoiles là. Voilà, ben déjà on en a un. Voilà, ça libérera de la place. Ça nous apportait encore plus de puissance. Alors, on va mettre le petit coup de paix. On va essayer de trouver l'autre 3 étoiles ou la clairvoyante. On n'a pas réussi, donc on va attendre un coup. À 71 points de vie, on est en top 3 garanti. Ah ben voilà, c'est lui qui tout à l'heure il nous a gagné. On va voir si on est un peu solide en ayant mis ce 3 étoiles, mais je pense pas que ça va suffire. Non, ça suffira pas. Ça ne suffira pas, loin de là. Alors lui il est très très chaud. Il va falloir c'est bien tenir jusqu'au tour 35. La clairvoyante est là. On passe à 10 de suite. Voilà, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. On active la synergie plume. 4 sur 4 en chaman. Normalement, ça devrait nous faire du bien. Là, à 41 de fric, on peut tourner. Voilà, on met 3 étoiles de plus. Normalement, on devrait être encore plus solide là. Voilà, ben c'est contre Bitplix justement. Voilà,
et là on arrive à le gagner. Allez, mais il faut trouver de la Umbra là ou quelque chose. Prendre lui. On va le prendre. Ça sert à rien, on n'arrivera pas à le passer. 3 étoiles, pardon. Ah, un petit œuf, on va le prendre. Ça pour qu'il fasse que ça. On va garder les sous, on va attendre, hein, on va voir un peu s'il y a moyen qu'on passe un autre 3 étoiles. Là on s'est fait plier. Fait plier donc mais vraiment comme il faut. Donc c'est même pas sûr qu'on fasse le top 1. Avec l'équipe qu'on a, c'est vraiment vraiment dommage. Ah ben voilà, j'ai bien fait de garder l'œuf. On va passer la clairvoyante 2 étoiles, ça c'est clair. C'est légendaire, ça coûte un bras. On va garder les sous pour le dragon. On peut pas faire grand chose de plus. Bon, au moins vous aurez vu. Vous allez voir que cette synergie est plutôt pas mal. Déjà en top 3, c'est déjà bien. J'ai été invaincu ben, jusqu'à que je prenne la vidéo. Dragon, il voit pas le jour. À peut-être pouvoir passer un autre. On va essayer de se passer d'autres 3 étoiles. On va avoir le temps. Merde, j'ai oublié de mettre les objets. Ah ça, j'ai, là j'ai fait le con par contre. On a perdu contre BitPix là. C'est pas bon ça cette histoire. C'est bien de se passer un 3 étoiles de plus. Non, on n'y arrivera pas. Alors là on s'est fait exploser. Ils ont invoqué les chamans, ça invoque des pièces au hasard. Donc ça m'a invoqué des pièces de merde. Ah comme par hasard on n'arrivera pas à passer un 3 étoiles de plus. Dommage, on va perdre là. On verra pas. Est-ce que je sacrifie un des deux? Et 4. Allez, on va sacrifier, tant pis. On n'a pas le choix. Ah putain. Oh. Ben, de toute façon on n'aura pas le temps. On va la bloquer mais on n'aura pas le temps. Alors qu'est-ce que ça m'a invoqué? Oh là là.
On a perdu, les amis. Ça m'a invoqué une chauve-souris et machin. Donc on a perdu troisième place, mais bon, il n'y a pas de problème, c'est dommage. À la fin, peut-être que ça aurait été mieux avec de l'exercice. Tenter avec du chaman pour voir. Allez regarder combien coûtait ma formation et vice versa. 111, hein. Elle coûtait plus cher que les autres. Hein. Et j'ai regardé le score. 31 victoires, 7 défaites. C'est à la fin que ça a pêché. Ça, j'avais une super équipe. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo auto-chess vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.